Hello, good afternoon, everyone. Hello, good afternoon. Have you had your lunch yet? Have you finished eating your lunch? Have you finished having your lunch? Are you with me? Hello. Better. Good afternoon, Noah. How are you? Good afternoon, Miriam. Hello, hello. Good afternoon. How are you, Miriam? Hello, everyone. Good afternoon. Let's wait. I'm fine. Thank you very much. Thank you. I'm fine. Good afternoon, Lally. Hi. Hi, girl. How are you? How are you, Lally? Are you doing all right? I'm fine. Thank you. Thank you very much. Okay. So you didn't... Oui, alors, bon, en général, je ne suis pas sûre qu'il y en ait plus le jeudi après-midi. Donc, on va commencer. Si, d'habitude, il y en a un petit peu plus quand même. Il y a the little Irish girl. And usually there's also Miley. Very often. And Miss Carbonell. I haven't seen Miss Carbonell for ages. Okay, well. Not a problem. Okay, so I gave you two pages to do, which were page 80 and 81. And it was not a lot of work, but I hope the work has been done. And it was about les hypothèses. Alors, les hypothèses, bon, déjà un petit peu, sans regarder dans vos cahiers, juste en utilisant votre mémoire, et peut-être la leçon que vous avez certainement dû apprendre. Dans la formulation de l'hypothèse, soit au début de la phrase, soit au milieu de la phrase, on a besoin d'une petite conjonction, une petite conjonction. Voilà, une petite préposition. Quelle est cette petite préposition qui marque l'hypothèse? Deux lettres, facile. Yes, good. If, exactly, if. Alors, if, on peut l'avoir en début de phrase, mais on peut l'avoir aussi, good, very good, on peut l'avoir aussi au milieu de la phrase. OK. Ensuite, dans cette fameuse phrase qui émet une hypothèse, on a deux temps différents. Alors, quels sont les deux temps qui vont ensemble? Oh, good afternoon, Juliette. How are you? Quels sont les deux temps qui vont aller ensemble? Alors, est-ce que vous vous en rappelez? Hello Lubna, ah ben voilà, ça y est, tu as réussi à te connecter. C'était dur, hein. Après je peux comprendre que si tu n'es pas habitué à venir sur le site, comme j'ai vu que tu n'étais pas habitué à venir sur le site, c'est évident que c'est peut-être pas forcément facile la toute première fois. Mais là, si tu es là, c'est parfait, c'est que tu as réussi. Bon, très bien. I'm fine, Juliette, thank you very much. Alors, exact, c'est le prétérit et le conditionnel. Good. Alors, le prétérit, bon, petit rappel vite fait. Le prétérit, deux sortes de verbes, les verbes réguliers, on met ED, les verbes irréguliers, c'est la deuxième colonne. Donc ça, c'est bon, c'est fait, c'est acquis, il n'y a plus de soucis. Conditionnel. Ah, comment fait-on un conditionnel? Comment fait-on un conditionnel? Rappelez-vous, dites-moi.
Bon, on a besoin d'un sujet, ça c'est sûr. Donc voilà, on zappe le sujet. Oui, très bien. Very good. Exactement. C'est would, tout à fait. Would plus la base verbale. Voilà. Pour une grosse majorité des. Pour, allez, on va dire 98% des verbes. Voilà. Would plus base verbale. Après, il y a des auxiliaires qui ont leur propre conditionnel. Comme par exemple, can. On ne dira pas would can, on dira could. D'accord? Donc, voilà. Would plus base verbale. Parfait. Donc là, effectivement, on est dans l'émission d'une hypothèse. L'émission d'une hypothèse au passé. Ça s'appelle aussi l'irréel du passé. Bah pourquoi? Parce que c'est des choses qui ne pourront jamais se passer. Et la dernière fois, on faisait un petit délire sur If I had 4 million on my bank account, I would go on a desert island and I would probably be swimming with dolphins right now. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a très, très, très peu de chances de se passer. Alors, je vous avais demandé pour aujourd'hui de faire, hop, workbook, workbook, workbook. C'était la page 80. C'était les pages 80 et 81 du workbook. Et c'était donc l'expression d'une hypothèse. Alors vous aviez des exemples et puis il fallait souligner, entourer et puis ça se terminait par un petit exercice. Alors on va pas faire que ça comme exercice. Il y en a énormément dans le livre et dans le workbook. Il faut vraiment que ça soit un réflexe, cette manière de construire, parce que là on commence un peu à taper dans le lourd au niveau de la grammaire anglaise. Voilà, c'est maintenant ça fait une phrase complexe au passé. Donc maintenant on rejoint le niveau seconde générale sans problème. Voilà, c'est pour ça que dans ce livre, enfin dans n'importe quelle méthode d'ailleurs, mais surtout dans celui-là, ils insistent beaucoup et il y a beaucoup de choses à faire avec cette formulation de l'hypothèse. Alors donc le premier exercice, c'était simple. C'était observer, déduire. Alors, ça a dû vous interpeller, mais je vous en parlerai après. If I were a castaway, I would miss my family, my friends and my computer. Alors, est-ce que vous avez eu le réflexe d'aller voir, même pas dans le dictionnaire, dans le livre, tout bêtement, ce que voulait dire castaway? Est-ce que vous avez trouvé... est-ce que vous avez été chercher ce que ça voulait dire, cast away? Voilà, tout à fait. Exactement, un naufragé. So for instance, Robinson Crusoe was a castaway because his boat sank during one of his voyage. His boat sank during his voyage. And he found himself being isolated on an island. And when you are isolated on an island, you are a castaway. Voilà, exactement. Donc, c'était un naufragé. Robinson Crusoe, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, naufragé. Okay, so if I were a castaway, I would miss my family, my friends, and my computer. And the other sentence, B, if I lived in New York, if I lived in New York, I wouldn't go shopping. I would visit places of interest. On vous disait ces phrases, donc là la deuxième phrase, là, aucun problème de vocabulaire. Ces phrases évoquent des hypothèses. OK. Entoure le mot if en rouge. Donc bon, bah, ça je suppose que vous l'avez fait. Hein, voilà. Souligne en vert le verbe dans la proposition en if. Donc qu'avez-vous souligné en vert comme verbe dans la proposition en if? Allez, qu'avez-vous souligné? Hello Doré, good afternoon. Nous en sommes au petit 1, page 80 du workbook.
Allez, good. Donc, souligne en vert le verbe dans la proposition if. Donc, vous deviez souligner en vert were et lived. On est d'accord, pas de souci. Donc, il fallait souligner en vert were et lived. Et enfin, il fallait changer de couleur. On est très couleur dans l'éducation nationale. Puis en troisième, ça continue. Souligne en bleu les groupes verbaux de la deuxième proposition. Alors, qu'avez-vous trouvé comme groupes verbaux dans la deuxième proposition? Donc, on est d'accord, en vert, on souligne « were » et « lived ». Et maintenant, dans la deuxième proposition, qu'avez-vous souligné comme groupe verbal? Donc, il y a deux groupes verbaux. Groupe verbaux, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul verbe. Il va y avoir l'auxiliaire qui va aller avec. Alors, on y va. Donc, oh, good afternoon, Lila. Lila. Good afternoon, Lena. Okay, exactly. Alors, pour la phrase A, would miss, il fallait souligner en bleu, would miss. Il fallait souligner dans la phrase B, wouldn't go. Et would visit aussi. Voilà. Donc, autrement dit, il y avait trois groupes verbaux sur ces deux phrases. Would miss pour la première, wouldn't go pour la deuxième, et dans la deuxième toujours, would visit. Exactement. Alors ça, normalement, ça n'a pas dû vous poser de problème. On est d'accord. Observez déduit. Donc, là, c'est une question en plus de ce qu'on vous demandait. Ça veut dire qu'après « if », on va avoir, donc « if », c'est la subordonnée. Voilà, « would miss » et « wouldn't go ». Good. « Would visit »,« wouldn't go », ok, good. Donc, ce qui veut dire que dans la subordonnée introduite par « if », on va avoir quoi comme temps? Je vous écoute. Toujours une manière de dire, hein, je vous lis. Qu'est-ce que c'est comme temps qui suit directement le « if », donc c'est-à-dire dans la subordonnée? Exactement, c'est le prétérit, d'accord? « Were », c'est le prétérit de « be ». Et lived, c'est le prétérit de live. OK? Donc là, on est d'accord qu'après if, dans la subordonnée, on a un prétérit. Et dans la principale, c'est-à-dire l'autre partie de la phrase, et dans la principale. Oui, c'est le prétérit, tout à fait. Et dans la principale, maintenant, autrement dit, would miss, wouldn't go et would visit, qu'est-ce qu'on a obligatoirement? Donc, d'un côté, prétérit subordonné et principal, à quel temps la principale? Good, yes, exactly. Exactly. La principale va être au conditionnel, tout à fait. Soit au conditionnel forme affirmative, comme par exemple would miss, would visit, ou conditionnel forme négative, good, very good girls, yes, ou conditionnel forme négative, wouldn't go, comme on a dans l'exemple. Ok, donc ça, c'est pas compliqué, il faut bien retenir ça. Hypothèse au passé, donc if prétérit, ça va avec conditionnel. If prétérit dans la subordonnée, principal au conditionnel. Allez, exercice 2. Deux phrases. If I were a millionaire, I'd travel around the world. Sentence B. If I was in London, I'd eat fish and chips every day. Alors, les deux veulent dire if I were, if I was,
si j'étais. Mais il y a simplement une petite nuance. Et on vous demandait de cocher, de trouver quelle phrase entre la A et la B, quelle phrase a très peu de chances de se réaliser. Est-ce que c'est la phrase A ou la phrase B? Oui, exactement. C'est bien la phrase A qui a très peu de chances de se réaliser. Et donc, quand ce genre de d'hypothèse a très peu de chances de se réaliser, dans ce cas, l'auxiliaire be devient were à toutes les personnes. C'est pour ça que je vous avais dit que là, quand on a fait la première phrase de l'exercice 1, « If I were a castaway », peut-être que ça vous a interpellé. Parce que depuis la cinquième, on vous dit que c'est « I was ». « I was »,« he was »,« she was »,« it was ». Et puis là, d'un seul coup, ah, on a « I were ». Ben, en fait, ce n'est pas du tout une faute de frappe ni quoi que ce soit. C'est parce que ça a très peu de chances de se réaliser. Donc, quand ça a peu de chances de se réaliser, on met « if I were » à toutes les personnes. Par contre, la phrase B, donc la phrase A, « if I were a millionaire, I'd travel all around the world. Si j'étais millionnaire, je voyagerais partout dans le monde, tout autour du monde. If I was in London, I'd eat fish and chips every day. » Non, la B ne se réalise pas tous les jours, mais dans votre vie et dans ma vie, on a beaucoup plus de chances de se rendre à Londres plutôt que de devenir millionnaire et de gagner au loto. On est bien d'accord. Il y a quand même, c'est quand même beaucoup plus probable d'aller à Londres pour manger un fish and chips que de devenir millionnaire et faire le tour du monde et vivre dans des avions et des palaces. C'est juste pour ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on peut manger du fish and chips tous les jours. Non. Donc, si j'étais à Londres, je mangerais du fish and chips tous les jours. C'est aussi une hypothèse, mais qui est largement réalisable. On est d'accord. C'est largement réalisable d'aller à Londres manger du fish and chips. Surtout que, bah, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, j'ai déjà trouvé avec EasyJet, par exemple, des Nice ou Marseille-Londres à 30 euros en avion. Aller simple. Donc, c'est largement faisable. À partir du moment où c'est faisable, on met « if I was ». La phrase C. « If I had no food, I'd hunt ». Alors, ce « was » et ce « were », c'est juste avec le verbe « être hein », juste avec l'auxiliaire « être ». Parce que, regardez, dans la phrase C, on parle de n'avoir aucune nourriture, c'est le verbe « avoir ». Et donc là, voilà, ça ne change pas. Il y avait juste le problème pour l'auxiliaire B. Oh, good afternoon, Johan. Good afternoon. Ah, ça, c'est chouette que tu viennes te connecter. Good afternoon. Allez, on en est à l'exercice 2C de la page 80. 2C de la page 80. Alors, if I had no food, I'd hunt. Si je n'avais pas de nourriture, je chasserais. Bon, là, on part toujours dans la problématique de on est naufragé, d'accord? Puisque dans votre livre, en fait, il nous amène ce point de grammaire qui est l'hypothèse par l'intermédiaire du film qui est, vous l'avez peut-être vu, comment il s'appelle là, alors, en anglais, c'est « castaway » et en français, c'est « seul au monde ». Voilà, c'est ça, « seul au monde ». Alors, donc, entoure les verbes. Alors, donc, vous en êtes où? Alors, « had »,« good », »,« toc, 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 good ». OK. Alors, si on entoure les verbes, on entoure « had » et on entoure « hunt ». Parce que le apostrophe « d »,« hunt », c'est un groupe verbal. Là, ils disent juste les verbes. Donc, voilà. Et donc, en fait, on retourne à ce que je vous avais dit tout à l'heure. La proposition subordonnée commence par le mot. Alors, bon, faut vraiment, c'est un peu facile, là. Hein. Commence par le mot blabla, signifiant si. Alors, c'est quoi le blabla qui signifie si? Ben, c'est celui que vous m'avez mis tout à l'heure. Hein. Donc, on ne va peut-être pas y rester 3 heures non plus.
Voilà, tout bêtement. Donc, la proposition subordonnée commence par le mot « if », qui veut dire « si ». Et le verbe est conjugué « au ». Allez, hop, on recommence. Alors, Myriam, Juliette, Noah, good, very good. Et donc, le verbe qui suit directement cette proposition est « au ». Voilà, prétérit, very good. Et maintenant, deuxième partie, donc il décortique maintenant, moi j'étais un peu trop rapide, mais bon, c'est pas grave. Voilà, prétérit et if, good. Le groupe verbal de la proposition principale est au conditionnel, avec l'auxiliaire blabla, on vous donne sa contraction, d'accord ? On vous donne sa contraction, et donc c'est l'auxiliaire yes. Good. Donc, le groupe verbal de la proposition principale est au conditionnel avec l'auxiliaire would, suivi de la base verbale. C'est bon pour tout le monde? Would, exactly. Alors, donc, Toré, yes, Juliette, good, Léna, prétérite. Donc, c'était juste la petite phrase d'avant, ok, would, ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Normalement, ça pose pas de problème. La seule chose qui pourrait vous poser problème, et je suis à peu près sûre qu'elle posera problème à ceux et celles qui n'ont pas eu le réflexe d'apprendre au fur et à mesure quand je vous le demandais, c'est ça posera problème avec le prétérit et l'utilisation de la deuxième colonne ou du ED. Voilà. Donc, vous voyez, ces fameux verbes irréguliers qui vous cassent les pieds, on est obligé d'en passer par là. Parce que, il y a, à un moment donné, ben, soit on s'en sert pour raconter une histoire. Là, on n'utilise que le prétérit simple. Ou alors, on s'en sert pour faire des phrases complexes qui nous permettront d'obtenir un meilleur niveau de langue, une meilleure syntaxe de la langue. Et donc, à ce moment-là, eh ben, il faut le connaître aussi avec les prépositions, les subordonnées en if et compagnie. Voilà, donc, et alors, c'est pareil. Bon, à moins, on va dire que je ne suis pas vraiment sûre qu'on se revoie cette année, les enfants, mais les verbes irréguliers, ben, révisez-les, quoi. On ne les avait pas finis. Il faut que vous partiez en seconde avec les verbes irréguliers par cœur, quoi. Alors, donc, ils en mettent une petite couche dans l'exercice 3. Récapitule, donc voilà, donc si vous avez bien tout compris, ben, normalement l'exercice 3 ne doit pas poser de problème. Donc, pour formuler une blabla, on emploie une phrase complexe. Alors, complexe, ça veut dire subordonnée principale ou principale subordonnée, on peut mettre dans les deux sens. Hein. Ma famille me manquerait si j'étais naufragée. Ça s'inverse hein, tout ça. Hein. Yes, good, une hypothèse, tout à fait. Pour formuler une hypothèse, on emploie une phrase complexe. Et alors donc, la proposition subordonnée est introduite par, voilà, une hypothèse. Good. Ok. Oh, puis en plus, dites donc, vous ne faites pas de faute d'orthographe quand vous l'écrivez, parce qu'il y a quand même deux H, un Y, un accent, à moins que vous utilisiez le correcteur automatique. Bon. Après, Myriam et Juliette, vous êtes peut-être des pros de l'orthographe en français. On ne sait jamais. Allez, la proposition subordonnée est introduite par if. Allez, hop, good. Donc, la proposition subordonnée est introduite par if et le verbe est conjugué au prétérit. Donc, ça, on vient de le dire. C'est... On met des couches. Et à la page 81, ben, c'était la suite, puisque là, on a parlé de la proposition subordonnée. Et donc, du coup, le groupe verbal de la proposition principale est composé de l'auxiliaire blabla, forme contractée blabla, suivi d'une base blabla. Bon, ils auraient pu éviter de marquer base et vous laisser trouver tout seul, mais bon. Good, good.
Allez, on n'est pas beaucoup, donc enfin, vous n'êtes pas beaucoup, donc on peut corriger tranquillement. Good. Forme contractée et derrière. Yes, exactly. Good. OK, very good. Donc, le groupe verbal de la proposition principale est composé de l'auxiliaire would, que l'on contracte en apostrophe D, suivi d'une base verbale. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Si vous retenez ça, sans vous tromper, sans vous mélanger dans les temps, bah, ça sera vraiment très bien. Et vous saurez exprimer une hypothèse au passé. Voilà, tout à fait. Surtout qu'en plus, ces hypothèses-là, on les fait au passé, mais elles peuvent être à des temps différents, de plus en plus compliquées quand vous serez en seconde. Par exemple, peut-être pas en seconde, mais en première ou en terminale, vous allez voir, il y a une partie en anglais qui s'appelle, vous avez des, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Vous avez une partie en anglais qui s'appelle mythes et héros, les héros et les mythes dans l'histoire. Donc, souvent, les professeurs d'anglais des lycées, ils parlent de Rosa Parks, cette fameuse femme américaine noire qui avait refusé de laisser la place libre à un blanc qui voulait s'asseoir. Vous en avez certainement, pardon, entendu parler. Ça a déclenché tout un tas d'émeutes et de rébellions dans les années 60 aux États-Unis. Donc, quand vous serez en seconde, je pense pas, mais en première, vous pourriez très bien tomber sur un texte de Rosa Parks et là, vous pourriez dire, ah, si elle n'était pas restée assise, il n'y aurait jamais eu il n'y aurait jamais eu de révolte dans les années 60 aux États-Unis. Ou alors si elle était voilà. Ou alors si elle s'est élevée, il n'y aurait jamais eu de révolte. Bon ben voilà, on partira sur le même principe du if plus le temps avec sa concordance dans la principale. Voilà. Donc ça, c'est des temps un peu plus compliqués. Ouf, quoique. Oui, sinon, ben voilà. Vous verrez ça en seconde et en première surtout. OK. Oui, et tant mieux qu'elle soit restée assise. Tout à fait. Alors, exercice numéro 4. Donc, c'est là qu'on va voir si vous avez réussi à appliquer tout ça. L'exercice numéro 4 n'était pas compliqué. Conjugue les verbes entre parenthèses pour formuler des hypothèses. Alors, donc, que m'avez-vous mis pour la phrase A? Donc, vous aviez if I, blabla. Alors, on vous donnait le verbe. Il fallait juste conjuguer le verbe au bon temps et le mettre éventuellement à la forme négative, selon votre ressenti et selon la phrase, bien sûr. So, sentence A. If I, blabla, be a castaway, I, blabla, panic. Que m'avez-vous mis pour ça? Allez, je vous attends. OK. Alors, j'ai juste OK. Hein. Je n'ai pas dit que c'était juste. Hein. J'ai juste OK pour que j'attends tout le monde. Enfin, j'attends tout le monde. J'attends ceux qui veulent écrire quelque chose. Alors, donc, pour la première phrase, donc, vous avez si et la probabilité très, très, très infime d'être naufragé. Castaway veut dire naufragé, je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Donc, il était logique de décrire If I were a castaway, déjà, donc, à côté de if, on met le prétérit. If I were a
a castaway. Alors, il y a deux sortes d'élèves, deux sortes de personnes. Il y en a, s'ils s'imaginaient naufragés, alors est-ce qu'ils paniqueraient ou pas? Voilà, c'est ça. Donc, vous aviez le droit de marquer la deuxième partie à la forme négative. Donc, if I were a castaway, soit I would panic, mais aussi, ou alors, I wouldn't panic. Chacun, on ne peut pas savoir comment on réagirait. Donc, il y en a, c'est sûr, I would panic, et puis il y en a peut-être d'autres, I wouldn't. Would ou wouldn't était correct. Ça dépend de sa propre personnalité. Bon, je pense que certainement, on paniquerait quand même un peu. Donc, bon, I would panic sera peut-être plus probable. Cependant, wouldn't, il y en a qui se diraient, bon, allez, hop, maintenant, réfléchis, je me pose, ok, je suis tout seul sur mon île, qu'est-ce que je fais? Voilà. C'était juste, tu peux marquer wouldn't, Lali. Si tu penses que toi, tu paniquerais pas si tu étais naufragé, ben, pourquoi pas? Je veux dire, moi, je te connais en tant qu'élève, je ne te connais pas vraiment en tant qu'ado, ce que tu fais, voilà. Donc, si ça se trouve, tu es super zen, super calme. Bon, j'en doute un peu parce que je te trouve toujours un peu stressée en classe. Mais voilà quoi. Donc, voilà, ça, c'était juste. Mais il faut que tu sois consciente de ce que ça veut dire. Si j'étais naufragée, je ne paniquerais pas. Voilà. Après, si ça convient à ta personnalité, il n'y a pas de souci. La deuxième. Alors, la deuxième même chose. Alors, l'occasion de déménager en Australie, habiter à Sydney. Que m'avez-vous mis? Donc, if we blah blah have the opportunity to move to Australia, we blah blah live in Sydney. Alors, si personnellement tu paniquerais si tu étais naufragé, donc il faut que tu marques would. Voilà. Wooden s'adresse à ceux qu'il prendrait tout à fait de manière zen. Ah bon, bah alors, on va attendre qu'on vienne me chercher. Ou alors, ok, maintenant je me le fais à la Robinson. Je fais ça, 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 ça. Voilà. C'est pour ça que, bon, les deux sont acceptables selon sa propre personnalité. Même chose pour l'abbé. Eh bien, pareil, Johan. Donc, si tu paniquais, en étant naufragé, ben donc du coup, tu marques would. Alors, attention, dans la phrase B, excusez-moi, je sais pas, vous n'êtes pas là, donc je peux faire devant vous. Hein, moi, ça m'entraîne pour quand je vous verrai un jour. Attention pour la phrase B. Have, c'est celui qu'on doit conjuguer. Have, c'est celui qu'on doit conjuguer. Donc, Lubna, t'as conjugué le mauvais verbe. Alors, et les autres, ils m'ont fait quoi? Tac, tac, tac. La première partie. Had sans le E. Oui, si tu n'as pas ton couteau suisse, Johan, ok. Si tu n'as pas ton couteau suisse, tu pourrais paniquer. Mais sans ton couteau suisse, avec ton couteau suisse, tu ne paniqueras pas. Donc, ça marche. Alors, ok. Donc, if we had the opportunity, if we... If we had the opportunity to move to Australia, alors... La question qu'on se pose, c'est on habitera à Sydney ou dans une autre ville? Même chose, on peut avoir une forme négative. Le tout, c'est de comprendre, c'est de comprendre la phrase pour exprimer son opinion personnelle aussi. Alors, parce que vous avez Sydney, Canberra, Adelaide, Alice Springs, il y a plein d'autres villes à part Sydney. Donc, if we had the opportunity to move to Australia, si nous avions l'occasion de déménager en Australie, alors, est-ce qu'il y en a qui habiteraient à Sydney?
Donc, Lali, vous devez venir Sydney, Myriam, Juliette, Léna. Pas vous tout seul, hein. Il faut conjuguer le verbe. Il ne faut pas le laisser entre parenthèses parce que sinon on va croire qu'il y a deux verbes. Donc, d'accord. If we had the opportunity to move to Australia, we would live in Sydney. OK, why not? We would live in Sydney. En revanche, si j'avais la chance, si j'avais l'occasion de déménager en Australie, bah moi je préférerais à l'autre part. Donc, je marque oui. Wouldn't live in Sydney. Voilà. Donc, ceux qui aimeraient y vivre, would live. Ceux qui n'aimeraient pas y vivre, qui préfèrent aller dans une autre ville, wouldn't live. C'est important de comprendre que là, on parle de l'opinion personnelle. D'accord? Pour que ça fasse, pour que ça donne du sens. Voilà. Mais en tout cas, la construction est correcte, quoi qu'il en soit. Last one, C. If he blabla at home, he blabla have a relaxing bath. Donc, qu'avez-vous mis? Qu'avez-vous mis pour cette phrase? Good, ok, yes. Donc on sait de toute façon qu'après if c'est du prétérit. Donc le prétérit de be, voilà, was. Et dans la deuxième partie, on met le conditionnel. Donc attention Loubna, c'est pas has, c'est pas, on n'est pas au présent, on est au conditionnel. Conditionnel, c'est would obligatoirement. Plus base verbale, ce qui nous fait if he was at home, if he was at home, he would have a relaxing bath. If he was at home, he would have a relaxing bath. Est-ce que c'est bien compris tout ça? Est-ce que vous avez, est-ce que vous arrivez à maîtriser un petit peu? Alors, moi j'aime bien pour vérifier que vous maîtrisez bien, j'aime bien de temps en temps faire des petites phrases de traduction, vous le savez. Parce que c'est bien d'appliquer et de faire ça, mais bon, quand vous n'avez pas encore. Le réflexe de, vu que c'est nouveau comme point de grammaire, vous n'avez pas forcément le réflexe, vous maîtrisez pas forcément bien. Donc, ok, alors apparemment, ça a l'air de vous convenir. Alors, tac, 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 tac. Oh, bah tiens, allez, on y va. Si je travaillais, forcément, hein, je suis prof, donc mes exemples vont être ça. Hein. Si je travaillais davantage, j'aurais, pourquoi il n'écrit plus le truc? J'aurais de meilleurs résultats. Bon, je vous taquine, hein, mais bon. Comment diriez-vous ça? Si je travaillais davantage, alors davantage, si vous ne savez pas dire, si vous savez pas le mot davantage, trouvez un synonyme en français. Et quand vous aurez trouvé le synonyme en français, là, tout de suite, vous verrez à quoi ça correspond. Et j'aurais, n'oubliez pas de mettre le S à j'aurais, parce qu'on est au conditionnel, on n'est pas au futur. Hein. Aux trois quarts maîtrisés, Johan? Bon, les trois quarts, c'est mieux que la moitié. Mais quand même, c'est if
prétérite et de l'autre côté conditionnel. Alors, comment diriez-vous, si je travaillais davantage, j'aurais de meilleurs résultats? Davantage ne doit pas vous poser de problème. Quand vous avez des petites phrases comme ça, ou quand vous cherchez pour même pour écrire des petits mots comme ça, essayez toujours de trouver un synonyme en français. Donc, le synonyme de davantage en français, on est bien d'accord que c'est celui-là. Et ça, vous savez comment on dit plus. Voilà. Meilleur résultat. Résultat, vous connaissez ce mot. Meilleur. Ah, meilleur, meilleur. Ah, comparatif. Comparatif. Donc, hop, ça revient. Comparatif, on voit 105e, on voit 104e. On en a refait un petit peu aussi. Voilà. À partir d'un moment donné, vous allez devoir faire un mix de tout ce qui est. C'est bien ce machin-là, là. Vous allez devoir faire un mix de tout ce qui est. De tout ce que vous aurez vu, quoi. Tout bêtement. Alors, personne n'a trouvé celle-là? Non? Je vous aide? Ludéric, hello, good afternoon Ludéric, je croyais que c'était à 15h. Il en faut de la patience, je vous jure. Vous pouvez être prof un jour, hein, c'est un merveilleux métier, hein, mais si vous n'êtes pas patient, soyez pas prof, hein, faites autre chose. Hein. Ça c'est clair. Yes, very good Lali. Very good. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à part Lali qui a trouvé cette phrase? Si, tu peux être sûr. Oui, bien sûr, il faut être sûr de toi quand même, il faut avoir confiance en toi. Good, very good. Yes, yes, yes. Yes, very good. Alors, Ludéric, on en est qu'on a fini de corriger les pages 80 et 81 du workbook. Et là, je donne une petite phrase de traduction. Voilà. Voilà où on en est. Donc, tu regarderas la première partie en replay. Yes, very good. Good. Après, c'est bien, je suis casse-pied, hein, je ne vous passe rien, c'est bien le jeu en majuscule. Bon, là, évidemment, c'est l'ordinateur, vous n'êtes peut-être pas forcément appuyé sur la touche majuscule. Mais quand même. Donc, ça nous fait, if I restored, very good, if I worked more, if I worked more, on veut le verbe travailler au prétérit, puisqu'il est situé dans la subordonnée à côté du if. Donc, on veut celui-là au prétérit. Donc, c'est un verbe régulier, on colle le D. If I worked, davantage, plus, c'est synonyme. Donc, more, en anglais, c'est more. Vous savez, de plus en plus, more and more, more and more. Et ensuite. Donc, ce qui veut dire que dans la principale, on aura notre conditionnel. I would have better. C'est better, meilleur, better. Alors, soit vous marquez results. Oh, c'est fatigant. Soit vous marquez results ou alors grades, de meilleures notes. Results ou grades, c'est pareil. Donc, if I worked more, I would have better grades. Good, very good. OK. Deuxième, attention, il y a un petit piège. Si elle était une fleur, elle serait une rose. Si elle était une fleur, elle serait une rose.
Allez, touc. Si elle était une fleur, elle serait une rose. Alors, vous doutez bien, ça doit vous rappeler quelque chose, ça, en français, normalement. Vous faites ça en français. Ben, vous allez le faire en anglais aussi. Comment ça s'appelle en français, ce genre de choses? Si elle était une fleur, elle serait une rose. Alors, vous le faites en français parce que, ou alors vous allez peut-être le faire, parce que l'année dernière, donc j'avais des troisièmes aussi, et c'était qui l'année dernière? C'était Madame Jessica, que je crois que vous avez au moins une des deux classes, faisait ça dans sa progression. Alors, si elle était une fleur, elle serait une rose. Que m'avez-vous mis? Proposez-vous? Que me proposez-vous? Oh, very good, Ludéric. Yes, excellent. Excellent. Oh, Juliette, no, 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 no. No. T'en es pas loin, mais. Good, yes. Alors, Juliette, est-ce que c'est possible qu'elle soit une rose? Non, on est d'accord. Donc, quand ce n'est pas possible et qu'on doit utiliser l'auxiliaire être, il faut obligatoirement utiliser. Voilà. Good. She were a flower. Exactly. If she were a flower. C'est impossible. D'accord? On est bien d'accord. Donc, voilà. T'as pas réfléchi. Alors, t'as pas réfléchi. Ok. Moi, je veux savoir, est-ce que tu as compris? Parce que tu réfléchisses pas, oui, ça arrive à tout le monde. Mais est-ce que tu as compris pourquoi on met were et pas was? Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, ça va. Oui, ça va. OK. If she were a flower, et le reste, vous avez juste she would be a rose. Donc, en français, ça s'appelle, vous ne m'avez pas répondu, mais je vais vous le dire, ça s'appelle le portrait chinois. Vous avez dû faire ça à un moment donné. Ah, t'as écrit trop vite. Ok, d'accord. Bon. Ça peut arriver, mais il faut se rappeler, voilà, c'est des petites erreurs comme ça qui peuvent coûter cher des fois quand vous faites un petit travail par écrit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du portrait chinois en français? Ben, c'est ça le portrait chinois en français. Si j'étais un animal, je serais un lion parce que. Je serais très puissant. Si j'étais un océan, je serais l'océan Pacifique parce que je ne sais pas pourquoi, mais parce que quelque chose. Voilà. Vous l'avez pas vu, portrait chinois? Si j'étais ceci, si j'étais cela. Non, bon, bah alors peut-être qu'elle va vous. Peut-être que l'année dernière, elle l'a fait de manière exceptionnelle. Alors. D'accord, ok. Mais même pas. Non, ça vous dit rien, le mot, l'expression portrait chinois? Ça vous dit rien du tout? Non? Ah ben d'accord, ok. Alors, ça s'appelle comme ça. Alors moi, je ne suis pas prof de français. Ça s'appelle comme ça. Il me semble que c'est en rapport avec un mouvement qui s'appelait le mouvement des surréalistes. Ah, mais l'expression, vous connaissez. D'accord, mais vous ne saviez pas que c'était. Que c'était comme ça, d'accord. Bon, l'année dernière, elle l'a fait. On faisait un EPI ensemble, et donc bon, ben voilà. Après, ça fait peut-être pas partie du programme de troisième du tout en français. Ça, j'en sais rien. En revanche, ça fait partie du programme de troisième en anglais. Et donc, ça, je vous le dirai dans quelques minutes. Alors, dernière.
S'il était à Londres, allez, dernière petite phrase à traduire. S'il était à Londres, s'il était à Londres, ah bah tiens, il ne serait pas confiné. En primaire, ça s'appelait les haïkus. Ah bah alors là, je n'en ai aucune idée. Peut-être, tu as peut-être raison, Loubna, je ne sais pas. C'est possible que vous ayez fait ça en primaire. C'est possible, hein? D'accord. Allez, s'il est à Londres, il ne serait pas confiné. Alors, eux utilisent le mot quarantine pour confiner. Quarantine. Qui nous ont, je pense, volé. Parce que quarantaine, quarantine. Alors, qui essaye? Alors, Ludéric, alors, la première partie, je ne suis pas d'accord. Myriam, la deuxième partie, je ne suis pas d'accord. Lali, yes. Alors, Ludéric, pourquoi la première partie, je ne suis pas d'accord? Voilà, exactement. Et Myriam, pourquoi je ne suis pas d'accord? Ben voilà, c'est parfait. Yes. Voilà. Good. Toré, la première partie is correct. The first part is correct. Donc, if he was in London, parce que ça, c'est une probabilité, c'est possible, tout à fait possible. If he was in London. Alors, Johan, alors, j'en étais où? Donc, Juliette. Juliette, OK. Johan. Alors, attention, Johan. Johan. Après, would ou wouldn't, c'est une base verbale. C'est un infinitif. Là, tu m'as conjugué le verbe be. Non. Yes. Donc, if he was in London, he wouldn't. In quarantine. Oui, je pense que c'est comme ça que ça s'écrit quarantine, il me semble. Eh bien, écoutez, j'en suis pas sûre parce que j'ai entendu plein de reportages sur la BBC et autres. Je l'ai toujours entendu, mais est-ce que je l'ai lu? Est-ce que je l'ai lu ce mot? Je ne m'en rappelle plus. Donc, bon. Je crois que c'est comme ça. Voilà, à confirmer. So, if he was in London, he wouldn't be in quarantine. Donc, il faut que tu te corriges, Johan. OK. Bon, eh bien, écoutez, c'est super. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous arrivez bien à maîtriser ce petit point de grammaire qui est quand même pas forcément évident. Et alors, de telle manière que... ah oui, alors, une première chose à vous dire, que je vous ai déjà dit certainement mardi, mais bon, peut-être que tout le monde n'était pas là. Et voilà, mardi, tout le monde n'était pas là. Quand je suis allée au collège lundi, je crois, oui, lundi, j'ai retrouvé dans ma salle des books de troisième, des livres de troisième à vous et un ou deux workbooks, je ne sais plus. J'ai tout mis à la loge, donc j'espère que vous les avez récupérés. Voilà. Ils sont à la loge, donc vous pouvez les récupérer pour faire vos exercices dessus. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Parce que...
Donc, pour le prochain cours, donc le prochain live avec vous, jeunes gens, ça va être mardi à 10h. Alors, pour mardi à 10h, troisième, hop, je prends une nouvelle page. Donc, pour mardi, nous serons le 12. Pour mardi 12 à 10h. Alors, il va falloir faire deux choses. Vous allez m'envoyer deux travaux obligatoires. Dans le premier travail, c'est une compréhension orale. C'est une compréhension orale que je vais mettre en ligne. Vous devez repérer tous les chiffres et les écrire en chiffres. On est bien d'accord ? Vous repérez, je vais le noter sur Pronote, mais bon, que ça soit clair. Vous repérez tous les chiffres qu'on donne. C'est un texte sur la Saint-Patrick. Saint-Patrick. Donc, vous repérez tous les chiffres qu'on donne et vous les écrivez en chiffres. Ça, ça fait votre premier devoir maison. Donc, compréhension orale. Deuxième chose, là, ce sont des exercices. Alors, des exercices, bon, qu'il faut faire, hein, je vous fais confiance. Question, l'anglais en CAP, c'est difficile? Oh, que non, c'est pas difficile. Tu risques même peut-être de t'ennuyer. Tu vas revoir les jours, les mois, les semaines, les couleurs, peut-être pas quand même, faut pas exagérer. Tu vas revoir le présent, le prétérit et le futur. Voilà. Donc, ça sera vraiment de l'anglais d'un bon niveau cinquième. Un bon niveau cinquième. Ça ne sera pas du niveau troisième. Ça, c'est clair. Ça ne sera pas du niveau troisième. Alors, donc, dans votre livre. Donc, déjà, dans votre livre. Donc, dans le book. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas le livre, vous me le dites sur Pronote, que je le mette en pièce jointe. Voilà, si vous n'avez pas le livre. Alors, laissez-moi le retrouver. C'était. Il y en a quand même pas mal. Hein. Alors, c'est le 23 plus 24 plus 25, 23, 24, 25, page 119 dans le livre. 23, 24, 25, page 119. Et l'exercice 28, page 120. Donc, exercice 23, 24, 25, page 119 du livre et l'exercice 28, page 120. Ça, vous les faites, vous n'êtes pas obligé de me les envoyer. Si ça vous fait plaisir, que vous voulez que je vous corrige en particulier, il n'y a pas de souci. Je le fais volontiers, je le fais d'habitude quand on me les envoie. En revanche, la compréhension orale sur la Saint-Patrick est obligatoire. Alors, même chose, je mets ça pour mardi. Attendez pas lundi 18h pour me l'envoyer, s'il vous plaît. On est jeudi, vous avez vendredi, samedi, dimanche, et puis on va dire lundi matin, quoi. OK ? Alors, la compréhension orale, vous pourrez l'écouter 50 fois si ça vous fait plaisir. J'espère que... voilà, après, on ne pouvait pas... C'est sur les grands nombres, c'est que des nombres à écrire, je vous l'ai dit. C'est sur la Saint-Patrick. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a rien de compliqué là-dedans, quoi. Je le réécouterai, avant de le remettre en ligne, je vais le réécouter moi-même. Comme ça, je vous donnerai exactement le nombre de chiffres que vous devez écrire en chiffres. Je ne sais pas si c'est clair. OK. Et voilà, je crois que c'est bon. Exercice d'entraînement. Et puis, toc. Est-ce qu'il y aurait d'autres? Et puis après, vous aurez un portrait chinois en anglais à me faire, mais un tout petit peu plus tard. Je crois que c'est bon, là. Ça devrait faire. Ça devrait le faire. N'hésitez pas, de temps en temps... Essayez d'être un peu, un peu autonome. Vous allez aller en seconde, peu importe la seconde, on s'en fiche, vous allez partir du collège.
Donc, vous allez aller en seconde, ça veut dire que vous prenez normalement plus de maturité, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin de vous dire, logiquement. Donc, quand vous voyez, par exemple, « Meet a Survivor », vous avez des... Lisez les petites choses qui vont avec. Je ne le fais pas page par page parce que la situation est un petit peu différente, mais par exemple, vous avez à la page 56 de votre livre quelque chose, un petit, alors c'est un mini extrait de Robinson Crusoe, I Go to Sea. Bon ben voilà, lisez-le, essayez de comprendre, et puis voilà. Puis s'il y a des trucs que vous comprenez pas ou vous avez besoin d'éclaircissements, ben vous me demandez, vous avez mon pronote et vous avez mon mail. Voilà. Après, Reading Corner, page 110. Qu'est-ce que ça vous dit là-dedans? Voilà. Hop. Il est aussi comme ça, à la page 110, le fameux Robinson Crusoe. Bon, allez-y, quoi. Il faut vraiment devenir autonome et il faut être curieux et aller chercher un petit peu plus que ce qu'on vous demande. Alors, je ne vous demande pas d'apprendre le dictionnaire, hein, mais juste, voilà. Surtout qu'en plus, il y en a, je suis sûre, qui s'ennuient chez eux. C'est quand même beaucoup plus intéressant que de passer votre vie sur Instagram, Snapchat, TikTok et les autres conneries que vous êtes capable de... sur lesquels vous êtes capable de passer des heures, parce qu'on sait comment vous êtes les ados. Mais après, c'est pour vous. Hein, les cours en ligne, tout ça, machin, c'est pour vous. C'est votre avenir. Voilà, allez, j'ai bien fait mon petit cours de morale. Any questions? Have you got questions? No questions? Bon, j'espère sincèrement que tout le monde a compris. C'est pas très, très compliqué, il faut juste avoir le réflexe. Prétérite conditionnel. Voilà. L'année dernière, on a appris présent, futur. Si nous allons à Londres, nous visiterons Buckingham Palace. Bon, ben en troisième, hop, on passe au niveau de supérieur. Donc, en quatrième, présent, futur. En troisième, on monte. Prétérit conditionnel. Et puis, quand vous serez au lycée général, pas professionnel, au lycée général, on montera encore d'un cran, plus que parfait, conditionnel passé. Qui ne sera pas beaucoup plus compliqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Johan? Je vais aller en Égypte et parler en anglais avec l'accent arabe. Bah, écoute, si tu veux. OK. Si tu veux, il n'y a pas de souci. OK. So, in the meantime, en attendant, wash your hands. Don't forget to sneeze or cough in your elbow. Keep the social distance. Be good. Soyez sage. Be good with your parents. Qui me supporte tout le temps en ce moment. Be good, take care, and see you next Tuesday at 10 o'clock. Bye bye!